Bien, bonjour à tous, aujourd'hui on va semer un engrais vert, un couvert végétal. Donc, je vais expliquer ça dans la vidéo. Allez, c'est parti. Bien que vous pouvez me voir, donc voilà, donc tout a été récolté, donc j'ai passé la semaine dernière, donc c'était vraiment pour mélanger un peu, pour faciliter la décomposition avec tous les déchets organiques qu'il y a, voilà, tout ce qui est là. Donc l'engrais vert, voilà, on permet tout simplement d'éviter de laisser donc, le potager à nu, voilà, sans rien faire pendant l'hiver, hein. Donc c'est pour favoriser aussi la croissance des futures cultures que je vais incorporer. Donc l'engrais vert donc, est un mélange. Donc c'est du seigle, de l'avoine et de la veste. Donc le seigle et l'avoine, donc, c'est vraiment un système super au niveau racinaire. Donc ça va assez profond, ça va décompacter le sol naturellement. Ça va aussi limiter les adventices, hein, les repousses adventices. Et ensuite la veste, donc c'est une légumineuse. Donc ça va tout simplement capter l'azote dans l'air pour ensuite l'enrichir tout simplement dans le sol, voilà. Donc je vais tout simplement donc semer à la volée et après passer un coup de griffe, voilà, pour vraiment niveler tout le terrain et enfuir les graines. Parce que voilà, tout ce qui est un peu seigle et avoine, etc. a vraiment besoin d'être enfui à peu près sur 3-4 cm de profondeur, voilà. Allez, on va faire ça, c'est parti. Voilà, donc semi terminé, donc ça va mettre d'ici 4 jours déjà à commencer à germer, hein, vu que la terre est vachement humide, hein, donc il n'y aura aucune difficulté donc, sur la germination. Voilà. Donc en fait c'est un engrais vert spécifique, hein, qui est vraiment très tardive, hein, donc qui est à peu près à fin octobre, hein, donc c'est à cette période là qui est vraiment optimale donc, pour semer ce type d'engrais vert. Hein. Voilà, donc c'est un engrais vert qui va durer donc là pendant tout l'hiver, hein, donc qui va bien structurer le sol, voilà, ça évite les adventices poussent, ça va bien structurer le sol en profondeur aussi, voilà, et ça va aussi enrichir naturellement le sol, voilà. Donc c'est un couvert végétal donc qui va être détruit entre janvier et février, donc je vais passer le motoculteur dessus, hein, voilà, pour vraiment bien détruire tout ça. Et... voilà, j'en termine pour cette vidéo, j'espère beaucoup que vous a plu, mettez-moi un petit j'aime, à vous abonner, et quant à moi, je vous dis à la prochaine, allez, ciao.